Eh bien, salut à tous, c'est Raikou815 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Shenmue de Kaede sur PSP Street. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le personnage Super Gogeta en mode arcade. C'est parti! Alors, en mode arcade, on va mettre difficulté difficile. Dans duel, on va mettre illimité et on va laisser 2 rounds. Voilà. Le chargement. Donc, si vous voulez voir tous les personnages du jeu, il faut aller voir ma vidéo précédente sur Sangoku Super Saiyan 4. Mais là, je vais jouer avec Super Gogeta. Voilà. Il est vraiment magnifique. Donc là, je vais affronter Gotenks en normal. Ça va, il n'est pas très fort. Voilà le beau Gogeta. C'est parti. Donc je vais vous présenter un peu ces techniques. Donc là nous aurons le Boom Bang Kamehameha. Je vais vous le remontrer. Chargé au max. Voilà. Il enlève vraiment beaucoup de dégâts. Il enlève à peu près un trait. Donc c'est déjà pas mal. Et là je vais vous présenter une autre technique dans le round numéro 2. Alors je sais plus c'est quoi le nom de l'autre attaque. Donc je vais voir les commandes, c'est frappe spirituelle. Donc la frappe spirituelle, je vais vous la montrer, c'est ça. Voilà, donc elle enlève un peu moins d'un trait, mais c'est déjà pas mal. Et l'attaque ultime, le châtiment psychique, et en anglais ça se dit atomiseur cosmique. Elle enlève 2 traits. Jusqu'à 2 traits et demi. Donc rang S. Donc je vais juste vous dire un truc. Je suis vraiment désolé si je vous fais plus de vidéos sur la PS3, puisque le jour de Noël je l'ai pété. Donc normalement j'aurais dû vous faire quelques vidéos sur Call of Duty Black Ops 3 et sur Dragon Ball Xenoverse, mais malheureusement je l'ai pété. Donc je suis vraiment désolé. Donc je vais essayer de la réparer et puis j'achèterai le Call of Duty Black Ops 3 quand elle sera réparée. Et je vous ferai des vidéos. Donc je suis désolé. Bon allez, on continue. La frappe destructrice, ou je sais plus comment elle s'appelle. Là on va faire l'atomiseur cosmique. Elle est vraiment magnifique cette attaque. Et très puissante. Le Boom Bang Kamehameha. Vers la fin de la vidéo, je vous montrerai une technique avec Goku Super Saiyan 4. Il faut vraiment que je vous la montre, elle est très impressionnante. Très cheatée la technique. Donc genre, je fais un Kamehameha x10 à mon adversaire, et puis après il va valser dans les airs, et je vais faire des téléportations comme ça derrière lui. Et puis ça va faire un enchaînement comme ça, explosif. Mais avec Gogeta, j'ai déjà essayé, je peux pas le faire. Donc je vous montrerai à la fin de la vidéo avec son groupe. Vous verrez, elle est vraiment trop bien cette technique. Allez, frère, tiens. J'ai mis KO. Là je lui fais un petit truc, hop là, je suis mis par derrière, je l'ai attaqué par le derrière,
C'est une petite technique comme ça. Là, je vais tenter l'atome sur cosmique. Là, je l'ai eu en plein dans le milieu. Deux traits à l'enlever. C'est vraiment puissant. Hein. Donc là, je vais affronter Sangohan Super Saiyan. Ok. Ah, il a l'air dur en vrai, sinon. Je pense que je vais un peu galérer. Oh. Non, c'est quoi ça? Voilà. La puissance. Ah, il m'a battu pour le premier round. Non, c'est pas grave. Je vais essayer de le battre. Je vous avais dit qu'il était vraiment puissant, ce Gohan. Je sentais bien sûr. Mais j'abandonne pas. Je vais lui faire des bing-bang comme on a pour lui enlever assez de vie. Tiens. Voilà. Donc là, je vais essayer de lui faire une technique. C'est la projection, comme ça. Ouais. Je vais essayer de vous montrer dans le round final. Ah, dommage. Il est puissant. Quelle puissance. Voilà, c'est ça la projection. Voilà. En plus, j'ai mis KO avec. Bon. Grand. Ah, ok. Donc là, je vais affronter Pei Gohan. Bon, lui, je pense qu'il est pas très fort. Mais on va voir. Oh, en plein dans la figure. Ça doit faire mal, ça. Là, je vais mettre KO. Alors. Oh là là. Oh, c'est quoi cette attaque, là? Oh, là, je l'ai mis KO, enfin. Deuxième round. Non, là, j'aime pas son attaque. Là. Elle est quand même puissante. Allez, vas-y maintenant. Le coup final. Boum. Il est presque KO. Ça a enlevé plus deux traits là. Allez, alors là, il a vraiment pris. Oulala. Je pense que là, j'ai dû l'énerver. Voilà, j'ai réussi. J'ai mis KO enfin. Ah, ok. Sangohan du futur, Super Saiyan 2. Ok.
Ah, j'aimerais bien lui rentrer un ding dong comme un rien, là, ça me fait plaisir. Ah, dommage, j'ai esquivé. En plein dans. Voilà. Le deuxième round. Voilà. L'attaque ultime, l'atomisphère cosmique. Ah, c'est protégé, dommage. Voilà, je l'ai tué, enfin. Prends ça, voilà. Rang S, ok. Donc là, j'affronte Freezer en puissance maximale. Je pense qu'il est fort, ça va. Je pense que lui, je vais galérer un peu à le battre. Non, c'est quoi ça? Oh, il est fort, hein. Je vous avais dit qu'il était fort. Oula, il m'a battu. Oh là là. Faut que je me méfie de lui. Non, j'espère que je vais pas perdre. Oui. Allez, Vegeta. Perds pas espoir. Oui. Oui, je l'ai battu pour l'instant. Un partout. Bon. Je pense que c'est bon, je l'ai battu. Allez, tiens, prends ça, Freezer. Oui, je l'ai éliminé, c'est bon. Ouf, j'ai eu du mal quand même. Rang A. Ouais. Donc là, je vais affronter Broly, Super Saiyan légendaire. Oulala. Là là. Alors là, je pense que lui, il peut me battre. Ça dépend aussi s'il est fort ou pas. Pour l'instant, ça va, je suis en train de le battre, tout va bien. Oui. En fait, il est pas si fort que ça, hein. Je le bats quand même. Allez, tiens, je vais t'éliminer. Ouh. Bon, ça va, là je l'ai battu assez facilement. Donc ça va. Normalement, je dois le battre. Voilà, une petite projection. Je vais essayer d'éliminer avec l'attaque ultime, ça serait vraiment magnifique. Ah, dommage. Voilà, je l'ai éliminé avec un Bing Bong Kamehameha très puissant.
Tank rang S. Ok. Trunk Super Saiyan. Avec son épée. Bon, espérons que je le batte. Ah, il a l'air puissant. On peut dormir. Allez, crève, Trunks. Crève. Ah là, je l'ai tué. Ouf. Deuxième round. Oulala, ça va faire mal. Pfff. Ah, il faut que je le batte, s'il vous plaît. Ouf, c'est bon, j'ai battu Trunks. Heureusement. Voilà. Classement 1. Donc là, je vais affronter Janemba. Bon, je pense que c'est le dernier adversaire. Là. Le combat final, je pense. Voilà. Donc je pense que lui, il est dur à battre, comme c'est l'adversaire final. Faut pas perdre espoir. Là j'y vais à fond. En plein dans le monde. Voilà. Bon ça va, je l'ai battu facilement, je dirais. Deuxième round. Très bien en bas. Allez, atomisphère cosmique. Ah, dommage. Voilà, je pense que j'ai fini le tournoi cette fois. Ouais, j'ai fini le tournoi, enfin. Voilà. Donc voilà, le champion Gogeta, ça y est. Son Goku Vegeta. Voilà, après ils vont dire qu'on a gagné 100 millions de zénith, et puis voilà. Donc maintenant, comme je vous l'avais promis tout à l'heure, je vais vous montrer la technique cheatée de Son Goku. Super Saiyan 4. Alors, vous voyez ma tablette derrière l'écran. Parce qu'en fait, je filme avec ma tablette, en fait j'ai pas de caméra. Ma tablette, elle fait caméra en fait. Donc, arcade. Donc voilà, hop. Et là, je vais prendre Son Goku Super Saiyan 4 pour vous montrer la technique. Donc, Son Goku, il est où? Il est là. Goku Super Saiyan 4. Il est vraiment magnifique. Ok. Bon ben je vais faire la technique à Trunks du futur. Ok. Plus vite là, plus vite. Il me prend du temps à charger. Donc là, je vais d'abord me transformer en Super Saiyan 4. Voilà. Et maintenant, il faut que je lui rentre un Kamehameha x10 et après que je fasse la technique.
Bon, bah, je vais vous montrer la technique dans le deuxième round. Parce que là. Faut que je rentre un caméra x10. Voilà, c'est ça la technique. Elle est vraiment trop bien. Elle est terrible. Donc je sais pas si vous avez bien vu. Donc je lui ai fait un caméra x10 et après je me suis téléporté derrière lui comme ça et je lui ai fait un caméra normal à la fin. Donc cette technique elle est vraiment trop bien quoi. Bon bah j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Donc, dites-moi par commentaire si ce personnage Super Gogeta vous l'aimez bien. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.